Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais sur une bourse aux jouets, plus exactement un vide-grenier du Père Noël. Voilà, c'est d'autres termes pour dire bourse aux jouets en fait. Et ça se trouve dans cette très belle salle ultra moderne qui se trouve derrière moi, qui s'appelle Le Carroir et qui se trouve à la chaussée Saint-Victor à côté de Blois. Voilà, donc je pense que c'est une petite salle. On va aller voir s'il y a des petites choses intéressantes et puis essayer de vous faire quelques petites images. Allez, à tout de suite. Oui, je vois ce que c'est. Ça s'appelle des Geox. Oui. Et c'est combien? Alors, ça dépend si vous me prenez tout. Vous voyez, c'est pour ça que ça prend. Oui, oui. Si vous pouvez. Bonjour. Ce sera combien ce petit jeu DS? 6 euros. 6 euros. Ah ouais, ok. Merci. Bonjour, ils sont à combien vos albums de Tintin? 3 euros. Ouais. Ouais. Yep. Ok. Prendre ces deux-là, on fait 8 les deux, est-ce que ça vous irait? Bonjour, ils sont à combien vos jeux? Il me semble qu'il y a des prix à l'intérieur. Ah, il y a des prix dedans? Je crois. Hein. Je crois qu'il doit y avoir des prix dedans. Ouais. Ouais, ok, d'accord. C'est ça.
Bonjour. Ok. Merci. Alors il y a une douce odeur qui commence à émaner du côté de la buvette. Cette odeur, c'est l'odeur du vin chaud. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas, le vin chaud, 2 euros le verre, vous passez chez Chris. On le servira. Allez, on se retrouve pour le débrief de ces 2 bourses aux jouets, hein, puisque finalement j'ai fait 2 bourses aux jouets ce matin, donc une qui était dans une petite salle, la salle que je vous présente en tout début de vidéo, elle paraissait assez grande extérieurement, mais en fait à l'intérieur c'était très petit. N'empêche que c'est là où j'ai trouvé le plus de choses, puisque après je suis allé sur une deuxième bourse aux jouets qui était pour le coup beaucoup plus grande. Le seul bémol, c'est qu'elle était sur 2 jours. Elle était étalée sur le samedi et le dimanche. Donc voilà, moi comme j'y suis allé le dimanche, je vous laisse imaginer que le samedi, étant donné que c'était les mêmes exposants, toutes les meilleures trouvailles ont dû se faire le samedi. Bon, c'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, je suis assez content de ma sortie sur ces 2 bourses aux jouets. Je suis assez content de ce que j'ai pu trouver. Et puis, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer également 2-3 choses que j'ai trouvées il y a une quinzaine de jours. Également dans une bourse aux jouets, mais qui n'était pas du tout prévue, donc j'ai pas filmé. En fin de compte, au départ, j'étais parti pour un très gros vide-grenier. Alors, quand je dis très gros, chez moi, c'est 2 à 300 exposants. Voilà, 2 à 300 exposants annoncés au mois de novembre, en extérieur. Je me méfie un petit peu, j'y suis allé quand même. Et en fin de compte, il y avait une quarantaine d'exposants, on va dire, à tout casser. Bon, mais voilà, il a suffi d'un stand sur lequel j'ai pu trouver un très très beau jeu de société pour qui rentre dans ma collection de Monopoly. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je suis très content parce que celui-là, il court pas les rues, il est en super état. Donc voilà, j'étais assez content de mon petit déplacement sur ce gros vide-grenier qui en fait était un petit vide-grenier. Et puis, en discutant un petit peu avec les exposants, j'ai appris que dans la même ville où il y avait ce vide-grenier, il y avait une bourse aux jouets. Couvrait qu'à 9h, donc il a fallu patienter un petit peu, et puis voilà, je me suis pointé là-bas, et j'ai trouvé des petites choses sympas, j'ai trouvé un petit jeu Pokémon, voilà, c'est plutôt cool, et puis du jouet dans la licence Toy Story, donc je vous montrerai tout ça juste après mes trouvailles de ce matin, en fin de compte, donc vous voyez sur le live, j'arrive sur le premier stand où je vois une pile comme ça d'albums de Tintin. Alors c'est toujours pareil, ils étaient en super état, quand ils sont comme ça, couverture vers le haut, on ne sait pas trop quelle édition c'est. Et quand j'ai retourné le premier, je me suis dit, voilà, là il y a une mine d'or, et en fin de compte, je parmi la collection qu'elle avait, j'ai l'impression qu'il y avait toute la série. Bon, il y avait des albums que j'avais déjà, donc je n'ai pas repris des doublons. Ce sont des albums qui sont tous en couverture, en quatrième de couverture de type C. Je dirais entre C3 Terre ou C4, je dirais plutôt C4, puisque en fait je les ai feuilletés comme ça vite fait. C'est 80, 81, voilà, 81 maximum. Donc ce sont des albums sans code barre au quatrième de couverture. Ils sont dans un état vraiment superbe. Au départ, je pensais que c'était des albums neufs, franchement. Et du coup, la dame les vendait 3 euros, ce qui est franchement pas cher en plus dans l'état où ils sont. Et du coup, comme je lui en ai pris 12.
Un arrondi à 30, donc ce qui fait voilà un petit peu moins de 3 euros l'album, donc je suis plutôt content. Alors je vous les présente dans l'ordre d'édition des Tintins. Je vous montre d'abord le quatrième de couverture, vous voyez, donc on est bien sur de la couverture sans code barre. Le prix est encore en francs, bien sûr. Il y a les 22 albums, donc voilà, étant donné qu'il y a Tintin et les Picaros qui est sorti en 76, ben, on est après 76, et en fait, quand on sait lire un petit peu décrypter la chose qui est au milieu, comme ça, voilà, on arrive à savoir que c'est du 80-81. Après, il faut vraiment inspecter. Il y a des petits détails qui permettent de dire c'est ou du 80 ou du 1981. Mais en tout cas, voilà, c'est de cette période-là et c'est la période que je recherche. Du coup, avec cette série-là, j'en ai pris 12. J'en avais déjà 8. Donc, ça m'en fait 20. Dans le lot, il y a les deux... ce qu'on appelle les albums films, en fait, qui ne sont pas des BD, mais qui sont plutôt des romans photos des deux films de Tintin. Donc du coup, il va m'en manquer, normalement, il va m'en manquer 4 dans cette édition-là. Donc il faudra que je fasse le point exactement, regarder lesquels, et puis mettre à jour ma liste surtout, parce que là, j'ai bien complété la collection. On commence par Tintin au Congo. Vous voyez un petit peu la qualité de l'album. Il n'y a pas une déchirure, il n'y a pas un coin qui est corné. A priori, c'était pas des collectionneurs, puisque c'était un couple avec de jeunes enfants, mais voilà, je sais pas, peut-être que c'était, après tout, ça appartenait à des collectionneurs. En tout cas, voilà, c'est franchement cool. Donc, Tintin au Congo, je vous les montre dans l'ordre, hein. Tintin en Amérique, voilà, Tintin en Amérique, qui est, je pense que je l'ai déjà l'avoir dit dans une de mes vidéos, le premier album de Tintin que j'ai lu, hein, qui appartenait à mon père et que j'ai lu, que j'ai eu dans les mains, voilà, qui m'a donné goût... qui m'a donné le goût de ces aventures-là. Ensuite, on a le Lotus Bleu, donc, qui sont toujours pareils, hein, de quatrième de couverture. Alors, la petite étiquette ici, avec le, je me suis marré tout à l'heure en regardant, avec le petit R rouge de Radar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, pour les plus anciens d'entre vous, Radar géant, c'était les supermarchés. Voilà, donc voilà, ça vient de ces supermarchés, ces bandes dessinées. C'est plutôt... marrant de voir ça, les différences des étiquettes. Ensuite, on a l'oreille cassée. Ils sont vraiment dans un état fabuleux. Le Temple du Soleil. Le Tintin au Pays de l'Or Noir. Voilà, je sais qu'il manque, l'île noire, en fait, dans cette série-là. Objectif Lune, que j'ai repris parce que le mien était en très mauvais état. Voilà, Le champ était déchiré, en très mauvais état. Je l'avais trouvé sur un vide-grenier, mais voilà, là, je le trouve vraiment en état parfait. Les bijoux de la Castafiore. Vol 747 pour Sydney. Et puis le dernier, Tintin et les Picaros. Voilà, dans la série Les Aventures de Tintin en bande dessinée. Après, bien sûr, il y avait dans ce lot les deux albums films, ce qu'ils appellent les albums films, les aventures de Tintin au cinéma. Donc on a Tintin et les Oranges Bleues, qui pareil doit être dans les années 80-81, parce que en fait il y a toute la série ici, il n'y a pas de code barre, mais il y a toute la série des Tintins, des 22 albums inscrites sur le quatrième de couverture. Après, j'ai pas réussi à dater exactement. La petite subtilité, hein, sur les albums comme ça, film, c'est que l'intérieur ici, il n'est pas bleu, il est gris. Voilà, non, enfin gris et blanc. Et puis, le tout dernier, c'est Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Voilà, donc pareil, hein, une vieille étiquette en franc, pas de code barre. Donc, je pense que de toute façon, il faudra que je les date, ceux-là, précisément. Alors, pour les dater, pour ceux que ça intéresse, en fait, je me sers d'une Bible, la Bible de la BD qui s'appelle BDM. Hein. Alors, B, c'est pas pour Bible, hein. B, c'est tout simplement les trois initiales. C'est un acronyme des trois créateurs. Que vous voyez ici, hein, il y a Béra, Denis et Mello, en fait, qui ont créé ce recueil de toutes les BD. Il n'y a pas que du Tintin, mais Tintin est assez complexe à dater. Voilà, donc ça permet de dater précisément les albums en fonction des couvertures et des quatrièmes de couverture, et puis surtout de les coter, parce qu'il y a des cotes qui sont indicatives. Hein. Après, voilà, ça dépend en fonction de l'état, etc. Donc... mais c'est assez intéressant, ça paraît tous les deux ans, donc moi j'ai la version 2021-22, je sais qu'il y en a un qui est ressorti là pour les deux prochaines années, mais voilà, bon après c'est pas un truc à acheter tous les ans, ça évolue pas tant que ça. Mais donc voilà pour la petite histoire, donc très très content de rentrer ces 12 albums de Tintin dans la collection,
avec les 8 que j'ai déjà dans cette édition là, hein, dans cette couverture de type C4, bah j'en ai 20, et donc il m'en manque 2 en collection bande dessinée, plus 2 autres, puisque en fait je compte dans les 12 les deux albums Tintin au cinéma. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour les bandes dessinées ce matin. On va passer maintenant sur du jeu vidéo. Donc j'ai trouvé des petits jeux assez sympathiques sur 2-3 petits stands différents. Le premier, il s'agit d'un petit jeu sous licence Disney, Cars. Je sais que c'est un jeu qui est assez compliqué à trouver sur PS3, parce que je le cherche et j'arrive pas à le trouver, du moins en français. Donc là, je le trouve sur Nintendo DS. Je sais pas après s'il est plus rare que ça, mais voilà, ça... Ça m'intéresse bien, d'autant plus que j'aime bien cette petite voiture qui s'appelle Martin dans la série Cars. Et le jeu, c'est la Coupe Internationale de Martin. Voilà, donc la dame le faisait 3 euros. Donc pour 3 euros, bah, je me suis pris ce petit jeu DS qui est complet. Un petit peu plus loin, sur un autre stand, je vois un jeu 3DS qui m'interpelle, parce qu'il y a des choses que j'aime bien dessus, notamment la licence Rayman sur 3DS. Donc c'est un jeu, en fait, c'est la première fois que je le vois. C'est une cartouche qui reprend 3 jeux. Donc on a Les Lapins Crétins, La Grosse Bagarre, Rayman Origins. Donc là, voilà, c'est cool. Et Les Lapins Crétins 3D, voilà, qui sont réunis sur ce jeu 3DS. La première fois, je le vois. Donc il est complet. La dame en voulait 10 euros. Bon, j'ai essayé à 8, elle m'a dit OK. Voilà, donc bon, voilà, j'ai mis un petit peu plus le prix. Mais comme c'est un jeu que je vois pas souvent, ben voilà, c'est un prix qui m'allait. Donc... tout allait bien. Et puis on va passer maintenant sur un autre stand que vous voyez aussi, je le filme, la dame avait des jeux PS4, des jeux PS5 aussi également, et puis quelques jeux PS3. Alors le premier, je ne l'avais pas, le second je l'ai déjà, mais en boîte version PS3 classique, en boîte plastique, et là je le trouve en édition collector dans une très très belle version cartonnée. Le premier, il s'agit de God of War Ascension. Voilà, qui est sorti après le 3, hein, mais qui est en fait la préquelle de la saga. Il est complet, donc ça c'est plutôt cool. Elle faisait 5 euros au départ, les deux, 5 euros pièce, et puis finalement je les ai eus à 8 euros les deux, donc 4 euros, donc pour une version que je n'avais pas. Et puis bah, ça tombe bien, hein, puisqu'on est en plein dans God of War avec la sortie toute récente de Ragnarok. Et puis donc le deuxième que j'ai déjà mais que j'avais pas dans cette version là, que je trouve vraiment très très belle, bah c'est le 3, voilà, en édition collector dans une très très belle boîte cartonnée. Il est ultra complet à l'intérieur, hein, puisqu'il y a, je vais vous montrer un petit peu, ça se déplie en 3 volets, voilà, donc il y a la petite notice ici dans le petit fourreau, on a le jeu au milieu, et puis là on a une série de cartes postales, et puis un code voilà, qui permet certainement d'avoir des DLC, où je crois que j'ai vu, il me semble qu'il y a des... voilà, édition collector comprenant l'arène de combat et 7 défis uniques, un skin de Dominus, un skin fantôme du chaos, et puis des cartes postales. Voilà, donc on a des petites cartes postales. Cartes postales God of War, comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc le jeu ultra complet, et voilà, donc 4 euros. 4 euros pièce, je sais pas si je vous l'ai dit, la dame en voulait 5 euros pièce au tout départ, et puis bah finalement j'ai réussi, si j'arrive à remettre dans le fourreau, voilà, donc le God of War 3 édition collector, j'ai réussi à avoir les deux pour 8, donc plutôt cool. Et puis bah, c'est tout pour cette bourse aux jouets. Après, donc je suis allé, comme je vous l'ai dit, sur cette très grosse bourse aux jouets qui était voilà, il y avait beaucoup de vêtements aussi, et donc il y avait quand même un petit peu de jeux. J'ai filmé et puis j'ai demandé, les prix étaient assez élevés, mais du coup chez une jeune fille j'ai trouvé, elle vendait pas mal de jeux, oui, et j'ai trouvé celui-là. Alors au départ il était dans une boîte noire. Une boîte qui n'était pas du tout... enfin, je pense que c'était pas une boîte Wii, hein, c'était une boîte DVD classique. Donc moi, je l'ai remis dans une boîte que j'avais en rab. Il s'agit du petit Tony Hawk's Downhill Jam. Voilà, donc la fille vendait ça 3 euros, il est complet. Voilà, donc un petit Tony Hawk's, ça va être assez sympa. En plus, avec la Wiimote, ça doit être assez spécial. Incline là pour tourner et équilibrer tes grinds. Et met le turbo aux côtés de Tony Hawk. Voilà, donc le petit Tony Hawk Downhill Jam.
Voilà donc pour mes achats de ce matin. Donc maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai pu faire il y a une quinzaine de jours. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par la bourse aux jouets. La bourse aux jouets, donc le tout premier stand, quand j'arrive, il y a une dame qui mettait ses jeux un petit peu qui a rangé dans une boîte à chaussures. Elle n'avait pas fait ses prix. Et puis je vois un jeu Pokémon. Donc je lui demande tout de suite les prix. Elle me dit, oh là là, j'ai pas regardé. Donc elle regarde sur son téléphone. Elle était un petit peu paniquée parce qu'elle voulait me répondre assez rapidement. Et en même temps, elle voulait pas se planter dans le prix qu'elle affichait. Et du coup, elle me dit, bah celui-là, je vous le fais à 12 euros. Je lui dis, est-ce que pour 10, ça peut le faire ? Elle me dit oui. Et donc, du coup, bah, j'ai pris le Pokémon Ultra Lune, voilà, qui est ultra complet aussi. Voilà, donc très content. Le petit Ultra Lune qui rentre dans la collection Pokémon sur 3DS pour 10 balles. Et puis un petit peu plus loin, donc il y avait un monsieur qui vendait énormément de jouets autour de Toy Story. Alors il y avait des choses qui étaient en plus ou moins bon état. Puis ben, j'ai vu tout de suite deux choses qui m'intéressaient parce que j'avais déjà récupéré la petite poupée, enfin la grande poupée de chiffon. Comment elle s'appelle, Jessie, la petite copine de Woody. Et puis bah ben, du coup il me manquait Woody avec la petite tirette derrière pour le faire parler. Et du coup là le monsieur, je trouve sur son stand le petit Woody. Comme ça, voilà. Donc là, il est propre, hein, parce que justement, j'ai démonté le petit moteur à l'arrière, enfin le petit micro qui permet de le faire parler, tout simplement parce que je l'ai passé dans la machine à laver. Hein, il était assez crado au niveau du blanc du gilet, mais ça fonctionne. Voilà. Donc il faut que je lui remette le moteur dans le dos. Et puis c'est cool. Alors le seul truc, c'est que je sais pas s'il y avait un revolver dans l'étui ici. Voilà, donc si les amateurs de Toy Story qui sont abonnés à ma chaîne, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire s'il manque pas le petit revolver qu'il y a à l'intérieur de la sacoche là. Voilà, si c'est le cas, ça va être assez compliqué à trouver, je pense. Mais voilà, je suis plutôt content. Il va accompagner la petite Jessie qui se trouve en bas. Elle n'est pas là, mais voilà. Et puis le Buzz et le Rex qui se trouvent là-haut. Et puis le petit Woody, bah, je suis content parce que je l'ai trouvé. Il n'était pas tout seul. Il était avec pile poil, voilà, donc pile poil, ça tombait pile poil, le petit cheval que je trouve vraiment super rigolo, qu'on voit pas souvent, on voit pas ça souvent sur dans les bourses aux jouets ou sur les vide-greniers, on voit souvent du Buzz, de temps en temps du Rex, mais voilà, le petit pile poil, je trouve qu'on le voit pas trop souvent, donc il articule ici le cou, il a les jambes qui sont complètement articulées, on peut lui donner la position qu'on veut, voilà, la queue en l'air, comme ça, enfin c'est... Il est plutôt sympa, il est plutôt rigolo. Donc voilà, pareil, ça va compléter ma petite collection de jouets autour de Toy Story. Et ces deux objets, le gars me les a vendus 5 euros. Au départ, il les vendait, je crois que c'était 10 euros. Il m'a annoncé 10 euros. Et puis, il a essayé de négocier le prix avec sa femme au téléphone qui n'était pas présente sur la bourse. Elle lui a dit oui. Donc j'ai pris les deux pour 10 euros, pour 5 euros, pardon. Et bon, alors, ils étaient voilà, un petit peu sales. Un petit passage à la machine à laver et voilà, le tour était joué. Il me suffit juste de renfiler le petit micro à l'intérieur. Et puis voilà pour les jeux Toy Story. Et on va terminer par un très très beau jeu de société dans ma collection de Monopoly. C'est mon 30e dans ma collection de Monopoly. Hein. Vous savez que je fais la collection des Monopoly uniquement à licence série, cinéma ou jeu vidéo. Ou animé, puisque là il va s'agir d'animé, et bah voilà, je suis très content de rentrer dans la collection l'édition Simpson. Voilà, donc qui est une édition de 2003 quand même, hein, donc ça commence à dater un peu, hein, c'est quelque chose qui va bientôt avoir 20 ans, mine de rien. Donc une belle édition qui est en très très bel état, que j'ai trouvé donc à cette fameuse brocante, enfin ce fameux voilà, vide-grenier, pour moi c'était plutôt un vide-grenier sur un parking. Il est ultra complet. J'ai fait un petit peu de tri dedans, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc il y a la petite règle du jeu ici. Hop, je vous montre le plateau, il est en superbe état. Voilà, en très très bel état. Hop. Et puis bah, l'intérieur, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai rangé les petits pions, j'ai vérifié s'il y avait toutes les maisons, tous les hôtels, tout est présent. Je vais vous le montrer un peu comme ça, sans trop le pencher, parce que bah, tout va tomber sinon, tout simplement. Peut-être plutôt comme ça, voilà. Donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur, tout est complet. Toc, ça c'était sûr. Voilà, et donc le gars en voulait au départ, je crois qu'il en voulait
30 €, sachant que je lui ai pris des choses en plus. Et du coup, on a discuté, il voyait bien que j'étais intéressé, etc. Donc encore un grand merci à toi, Benoît, si tu passes par cette vidéo. Parce que du coup, ça me l'a fait à 25 €. Et franchement, dans l'état où il est, c'est un Monopoly qui me manquait dans ma collection. Pour 25 balles, je pense que voilà, c'était une belle affaire. Un petit Monopoly 2003, c'est les Simpsons, c'est quand même une licence qui est très très collectionnée et très recherchée. Donc voilà, j'étais super content, je rentre mon 30e Monopoly dans ma collection, que je vous présenterai bien sûr un jour, comme je vous l'ai promis déjà dans une de mes vidéos. Voilà les amis, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter pour cette matinée de bourse aux jouets. Je sais pas, je regarde pas trop à l'avance s'il y en a sur les semaines à venir, etc. Mais je pense qu'il y en aura peut-être tous les 15 jours, je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours, 15 jours, 3 semaines, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il y en aura encore une ou deux. On verra bien, j'improvise vraiment au dernier moment. Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée. J'espère que ces petites images vous ont plu. Laissez-moi les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Très très vite. Ciao les amis.